t'as besoin de crédit et de points FIFA pas cher, rends-toi vite sur GoFIFAcoins, le nouveau partenaire, t'auras 5% de réduction avec le code ZERCOSHD. Eh bien, yo les gars, c'est ZERCOS et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un squad builder, les gars, d'une équipe sur Cheatelli. Mais vraiment, c'est une équipe. Vous êtes sûr qu'il y a un nouveau match avec ça? Perso, c'est une équipe autour de Bolassi uniforme. Donc voilà, je l'ai acheté 110 000. Voilà, ça coûte vraiment très cher. Mais voilà. Donc, on va tout de suite passer à la présentation de l'équipe. Donc, dans les cas, j'ai choisi de mettre Thibaut Courtois, le gardien de Chelsea. Bah, pour moi, je pense qu'il est meilleur que De Gea. Voilà, 84 de poujou, 87 de jeu de main, 86 de positionnement, 82 de réflexe. Voilà, je vais ajouter une petite taille bouclier. Voilà, je vais rajouter quelques points de compétence. Donc voilà, je ne vais pas vraiment m'attarder sur les stats parce qu'après, je vais jouer avec cette équipe pour voir ce qu'elle donne en match. Donc voilà, en DG, nous avons Baba. Voilà. Jimmy Baba, voilà, il est vraiment complet. Voilà, il a une très bonne stat de vitesse et une très bonne stat aussi. Des stats défensives vraiment intéressantes. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai acheté. Ensuite, nos deux DC sera Otamendi. Là, et. Non, c'est pas Socrates. Non. Hop. Socrates, mais comme vous avez pu le voir, c'est Laurent Koscielny. Voilà, donc voilà, c'est une très bonne charnière. Laurent Koscielny qui acheté du crédit. Voilà, une très belle stat de vitesse, une stat défensive intéressante. Donc voilà, très bon joueur et Otamendi qui est aussi très bon. Ensuite, nous avons le up de Bellerin. Bellerin, voilà, juste une vitesse. Voilà, moi personnellement, je l'ai pris pour sa vitesse. Voilà, 95 de vitesse. Et voilà, des stats vraiment intéressantes comme 76 de dribble, 76 de défense, 70 de physique, 70 de passe. Voilà, des stats vraiment intéressantes. Ensuite, en MC, j'ai choisi Imbula. Voilà, Imbula vraiment, c'est un Yaya Touré, mais un peu moins fort. Mais voilà, il est vraiment, vraiment très, très bon. Je l'ai testé. Moi, j'ai pas fait beaucoup de matchs avec lui. Hein. J'ai fait, j'ai fait 4 parties et m'a marqué 2 buts. Donc voilà, vraiment très intéressant ce petit Imbula. Ensuite, le deuxième MC, vous avez dû voir, c'est Ray Rooney. Je l'ai pas mis en MOC ni en BU parce que je préfère le mettre en MC parce que sa stat de physique est vraiment, vraiment élevée pour que je le. Vraiment élevé pour que je puisse le mettre en MOC, je préfère le mettre en MC comme ça. Il peut bouger un peu les autres attaquants. Voilà, Rooney vraiment très intéressant en MC. Donc voilà, 75 de vitesse, 86 de tir, 80 de passe, 80 de dribble, 87 de physique. Donc voilà, ouais, Rooney acheté pour 18 000 crédits. Ensuite, en MOC, voilà, Bolassi, pour moi c'est juste une dinguerie, si vous voulez voir, waouh. C'est un truc de ouf. Bon, j'ai pas beaucoup de voix vu. J'ai fait 4 matchs, 1 but et 2 passes décisives. 5 étoiles, j'ai séquencé. Il a des stats de taille en MOC. Alors, 89 de vitesse, 75 de tir, 70 de passe, 85 de dribble, 89 de physique. Donc voilà, pour moi, c'est un MOC de ouf. Ensuite, en AG, j'ai pris. Pas Coran. C'est un AVG que j'ai pris. Marcel Boosté. Alors Marcel Boosté, je l'ai pris parce que moi je le trouvais vraiment intéressant. Ses stats sont vraiment intéressants. Voilà, 89 de vitesse, 90 de tir, 70 de passe, 84 de dribble et 75 de physique. Donc voilà, c'est le petit inconvénient, c'est juste qu'il n'a pas les 4 étoiles 10 techniques. Mais dans l'ensemble, c'est un très bon AVG. Ah, je veux dire. En AD maintenant, j'ai pris Willian. Alors Willian, voilà, c'est la base pour moi en AD parce que c'est un match je trouve trop petit et pas assez physique. Là Willian, voilà, des stats vraiment, vraiment, vraiment de ouf. Avec 4 étoiles gestes techniques. Que dire. Et en BU, j'ai pris le surcheat à l'état pur. Doumbia. Voilà, Doumbia, je pense que tout le monde le connaît. Hein, c'est plus fort que Ronaldo. Mais voilà, le gars il peut faire des tout droits à l'ancienne comme dans FIFA 15. Voilà, je l'ai pris comme ça, mais parce que j'aime pas trop Diego Costa, je trouve ça un peu lent. Voilà, j'aime pas trop. Et puis voilà. Donc les gars,
on est tout de suite parti pour tester cette équipe en match pour voir ce qu'elle donne. Et puis, on se dit à tout de suite pour les meilleurs moments de ce match. Ouais, bien oui. Ouais. Ah, oh, purée les gars, l'action était elle était magnifique. Dommage, allez. Hein. Le centre. Ouh, la tête les gars. Ouais, parfait. Ray Willy. Oh, le poteau! Oh purée! Ouais, bien. Non! Ah, oui. Bon, là, si! Oui! Yes, les gars! Enfin! On a enfin ouvert le score. Là, on méritait tellement. Voilà. But de Bolassi. Bolassi, c'est physique. Ça passe, hein. Voilà. Hop, on reprend la balle. Bolassi revient encore. Et la petite frappe, là, magnifique. Ouais. Allez, c'est reparti, les gars. 1-0 pour nous. Ouais, magnifique. Pour Bolassi. Yes. Encore un autre but de Bolassi. En force et en puissance. Vraiment. Voilà, je vous ai dit Bolassi. C'est, j'ai fait mon équipe autour de lui. Voilà, une petite passe de Doumbia. Voilà, encore la force de Bolassi. Et ça fait 2-0. Je pense que, voilà, mon adversaire va acheter un, les gars. Je pense que ça, c'est sûr. Bon, bah, je pense que ça va acheter. Voilà, au moins, vous avez pu voir un petit peu l'équipe. Parce que si ça va acheter, ça sert à rien de refaire un autre match pour montrer l'équipe. Je pense que, en l'espace de quelques minutes, vous avez pu voir comment elle était assez forte. Voilà, en même temps, avec cette équipe, vous pouvez faire racheter beaucoup de personnes. Hein. Beaucoup de personnes. Ah non, peut-être qu'il racheter pas. Bon. Pour l'instant, il racheter. Je pense que 3-0, il va racheter. Bolassi! Ah. Ouh là 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 là! Bolassi! Allez, on va accélérer, hein. Et grosse frappe. Ouh. Ah. Ah les gars. Et c'est le rage kit les gars. C'est le rage kit de l'adversaire, hein. Parce que carrément je domine le match. Il a rien fait les gars. Il a même pas pu faire un seul tir. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir vu. Et puis n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me ferait vraiment plaisir. Et moi je vous dis donc à la prochaine les gars. C'était Zarkos. Ciao. Je peux vous faire gagner les gars, je vais pas vous mettre un peu de boîte, ça sert à rien. Oh les gars, oh je vous fais gagner direct les gars.